Charlie Tu, Diego Sonny, Ripley. Ah, c'est tout connu. Mais où est... Hey, hey. C'est bon, on veut. Hey, hey. Ha, avant de me parler, change de ton. Quand tu dis que tu m'aimes, tu parles de moi ou de mon argent. Je te comprends pas, toujours des cadeaux, je suis pas ton papa. Oui, oui, t'es belle, nous on mange pas ça, t'es là me saouler. Oui, tu voulais me voir. Oui, justement, je voulais te voir. Mais allons-y. Non, 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 restons ici. Je n'ai pas assez de minutes, je n'ai pas assez de temps. Je suis au bureau, donc je suis, tu vois, aujourd'hui c'est un vendredi. Et j'ai un rapport à présenter au directeur de cabinet. Tu comprends? D'accord. Donc, oui, tu as dit que tu as quelque chose à me dire. Mais allons, allons à notre endroit habituel. Où ça? Tu veux parler de Galaxie? Oui, oui, oui. Non, mais tout ça ce soir. Tu aimes trop ça. Non, parle, parle. Tu sais que tu m'as beaucoup marqué, bébé. Toi aussi, tu m'as manqué. Oh, tu m'as vraiment manqué, là. Bon, en fait, bon, bébé, je voulais juste te demander mon layant de pommade. Et puis, je vais changer aussi ma coiffure. Bébé, tu l'as compris. Ok, donc tu as besoin d'argent, c'est ça? Oui. Bon, je vais profiter pour être clair avec toi. Ah bon? Je vais t'expliquer un truc. Te rappelles-tu de notre première rencontre? Oui, 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 je me souviens. Où je te disais tout le temps, je t'aimais, je t'aimais. Oui, c'est ce jour merveilleux là. Très bien. Au fait, l'amour là n'était pas au complet. Ah bon? Non, je n'étais pas au complet. Il manquait un tout petit peu d'amour. Et c'était toi, au fait, qui allait amener cette petite partie qui manquait. Et on allait mettre ça ensemble pour que ça fasse un amour costaud, un amour fort, un amour solide. Ce que tu n'as pas fait. Mais pas ta paresse. Tu as repoussé le peu d'amour que j'avais amené. Tu as compris? Donc, tu as fait fuir le peu d'amour que j'ai amené vers toi. Tu as repoussé mon amour. Oh bébé, comment ça? Non, je suis sincère. Ce qui fait que tout de suite là, je ne sens plus assez de choses pour toi. Certes, je suis ton petit ami. Je n'en disconviens pas. Mais il faut retenir que je ne suis pas ton guichet automatique, ton compte en banque. Il faut que ça soit clair. Ça va être... il serait bien de ma responsabilité que je te donne de l'argent. Mais il faut retenir aussi que ce n'est pas une obligation pour moi de te donner de l'argent. Tu as compris? Il faut que ça soit clair dans ta tête. Donc, moi, je suggérerais plutôt que tu ailles te chercher un boulot, un petit job, où tu vas au marché. Les gens vendent au marché. Je connais des filles très jolies comme toi, très belles, potelées comme ça, avec de jolies poitrines, tu vois. Mais qui travaillent, qui vendent de piawata au marché. Ils vendent de piment, ils vendent de sel, ils vendent tout ça là. Tu comprends? Donc, même vers les bars, aujourd'hui c'est les bars qui gagnent. Au lieu de vous accrocher au WhatsApp, Facebook, changer de photos à longueur de journée, tout ça là, contentez-vous à travailler. Non, je vous en prie, le monde d'aujourd'hui, il faut quand même que ça soit femme, homme, que vous alliez au travail. On est d'accord? Vous passez tout le temps au portable, sur WhatsApp, sur Facebook, Twitter, que je ne sais quoi. Bébé, ma chérie, mais comment, pourquoi tu me traites comme ça? Voilà, tu vas commencer par mal parler des hommes. Tu vas commencer par détester des hommes. Et il faut donc que je te le dise. Tu ne m'aimais pas vraiment alors. Tu ne m'aimais pas avant. Voilà, là, tu n'as pas compris ce que je dis. J'ai dit ceci. Si tu demeures paresseuse, tu ne veux pas comprendre les hommes. Bébé. Bon, en fait, je suis vraiment désolé. Je tenais à te dire cette vérité-là. Sinon, tu vas commencer par maltraiter les hommes. Tu vas commencer par dire que les hommes sont mauvais. Les hommes travaillent. Eux, ils vont chercher l'argent. Mais toi, tu ne fais que viser leur poche. Faut quand même que je te dise la vérité. Au moins, même si le peu d'amour que j'ai pour toi a fui, mais quand même, je t'estime. Tu es présentable, tu as compris? Va travailler, mais oui, on s'appelle. S'il te plaît, moi, là, je les aime. S'il te plaît, là, je les aime, au moins.